Chaîne pour la ONTV News qui est entrée dans la pour nous porter une nouvelle vidéo pour nous qui est vraiment intéressant. Mais avant de nous entrer dans l'actualité, on a profité, remercier ou même qui toujours été connecté ensemble avec nous et nous remercier tout ou même qui fait entrer sur channel là. Et bien, qui s'en porte pour dans l'actualité? Et bien, gouvernement taïwanais fait Haïti cadeau 800 tonnes métriques d'iri. Et bien, comme tout le monde connaît, et bien, depuis quelques temps, Haïti. Eh bien, renouveler Zami Taïo ensemble avec Taïwan. Eh bien, des jours et des jours, Taïwan toujours a fait un petit cadeau. Mais ce qui est plus important pour nous dans le pays d'Haïti, c'est affaire électrique. Côté tout le monde, ça a parlé. Côté dossier, ça a dans le Sénat. Eh bien, n'ayez pas jamais voulu mettre un premier ministre pour arriver parler sous dossier courant 24 sur 24 là. Eh bien, je nous dis là, eh bien, gouvernement taïwanais fait Haïti cadeau 800 tonnes métriques d'iri, eh bien, pour vous mettre dans un FAES pour faire peuple à cadeau. Eh bien, moi, invitez nous si on va même commencer à développer dans le journal là. Restez branché on TV News. Tade Chin Taiwan en Haïti, Cheg Aou, fait don 800 tonnes métriques d'iri by Fonds Assistance Économie et Sociale FAES. D'après ambassade Taiwan, nan, don sa témoigne solidarité pays à gouvernement haïtien. Diplomate taïwanais a fait connaître pays prend engagement pour renforcer coopération dans divers domaines avec pays d'Haïti. Yon extrait dans le micro, Rodney d'Orléans. C'est 800 tonnes de riz taïwanais qui témoigne une fois encore de la solidarité du gouvernement taïwanais avec le gouvernement haïtien, a été diligenté par le ministère taïwanais des Affaires étrangères suite aux instructions de Son Excellence Madame Tsai Ing-wen, présidente de la République de Chine Taïwan, ayant toujours à cœur l'esprit solidaire du peuple taïwanais avec le peuple haïtien, dans la recherche de son bien-être comme une réponse directe et personnelle à une requête de son homologue, Monsieur le Président de la République d'Haïti, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, suite aux événements du mois de février écoulé. Dans cette perspective, consciente que le don de riz n'est qu'un palliatif face aux problèmes structurels que doit surmonter le gouvernement haïtien, la République de Chine Taïwan, en tant que pays ami de longue date de la République d'Haïti, a particulièrement compris qu'il était nécessaire d'apporter une réponse urgente et rapide pour venir en aide aux peuples haïtiens. Bon côté par la directeur général Fonds Assistance Économie et Sociale là, Charles Ernest Châtelier, salier geste solidarité ça qui pral permettre gouvernement faire face à insécurité alimentaire. Directeur général FAES là expliqué 800 tonnes métriques d'irisa pral renforcer programme Corée peuple là dans plusieurs régions dans pays. Un extrait dans micro John Herbie Casseus. En ma qualité de directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale, et pour le compte de l'État haïtien, que je procède de façon officielle à la réception de 800 tonnes métriques de riz blanc offert par la République de Chine Taïwan. Ce don témoigne de l'engagement du gouvernement taïwanais d'accompagner le peuple haïtien dans sa recherche d'une amélioration de sa situation et constitue un début de réponse rapide et urgente aux problèmes de la faim. Tout en remerciant au nom de l'État haïtien le gouvernement taïwanais pour ce don, je profite pour souligner à l'attention de l'assistance qu'à côté de ces programmes d'assistance sociale, la République de Chine Taïwan appuie aussi l'État haïtien dans la mise en œuvre de programmes d'infrastructure et de renforcement de nos capacités en vue d'apporter des solutions durables aux différents problèmes auxquels fait face le pays. Nous espérons que d'autres partenaires internationaux et pays amis continueront de nous appuyer dans cette course
vers le relèvement du pays qui constitue à l'heure actuelle un grand défi. Mesdames, Messieurs, je tiens à préciser à votre attention que ce don en nature ne fera pas l'objet de monétisation, mais est destiné à approvisionner en étrant les différentes composantes du programme Corepel. Nous allons poursuivre avec l'information pour nous faire connaître l'Institut Bien-être Social et Recherche organisé une journée porte l'ouvrir dans le cadre de la semaine d'activité pour marquer la célébration Journée nationale Timoun dimanche 9 juin Cap Vinila. Directrice générale IBESR, Ariel Gentil-Vildouin, qui est bien clé responsable Brigade Protection Minéa, commissaire principal Jean-Eddy Lahens, encourager donateurs à renforcer l'association pour protéger Timounio contre violence et abstibine dans la société. Il y a un extrait dans le micro par qui se croit avec Moïse Ulbrich. Toujours il y a des activités qui pour mettre Timoun haïtien en valeur, pour faire plaidoyer, pour mettre vraiment protection Timoun comme une priorité nationale. C'est très important. Donc, aujourd'hui, c'est une activité, c'est une porte ouverte que nous avons fait dans le bien-être social. Et porte ouverte, là, je t'ai toujours expliqué que son bagage qui est important pour nous. Pour qui ça? Parce que nous avons besoin d'implication citoyenne. Ça. Nous avons besoin de monde qui sont venus visiter le bien-être social, pour nous apprendre à connaître qui service que nous avons, comment l'intervention est faite. Donc, il est important en pile pour gagner implication ça. Et implication ça va permettre éventuellement pour aller vers un changement de mentalité, un changement de comportement, pour nous comprendre. Parce que souvent, comme je dis, nous, dans la radio, nous tendons à parler de cas spécifiques. Et bien, des fois, nous avons interprété au mal. Et nous pas obligatoirement connaît qui ça comme autorité, comme bien-être social et comme brigade de protection qui l'a avec qui accompagne aujourd'hui, qui c'est une brigade qui vraiment, et m'taka dit, c'est comme une police sociale de bien-être social. C'est une police qui accompagne nous, qui est toujours là pour faire intervention depuis les maltraitances, les viols, et il prend l'opportunité de parler avec nous, bien sûr. Mais l'important aujourd'hui, et après que le premier groupe que nous recevons, c'est des groupes de Timoun. Et je pensais que assister, nous avons comment question était pertinente, comment Timoun y a même tout envie qu'on ait, y a besoin qu'on ait. Institution ça qui ça lié, qui ça le café pour yo? Est-ce que son institution qui est vraiment là pour protéger yo? Qui ça brigade protection café? Donc c'est très important que nous puissions recevoir de l'autre groupe, mais c'est une activité pour nous qui fait partie de salon de protection qui est traditionnel. Parce que ça fait depuis 2013 que nous avons fait salon de protection de l'enfant. Année ça, nous avons décidé que nous avons fait l'entretemps. Ça veut dire que nous avons une porte ouverte là. Côté Mounio a venu visiter, il n'y a pas plein de services, il n'y a pas plein de bien-être social, il voulait parler d'un sujet spécifique avec plaisir. Et demain, que nous avons Montana, côté vraiment, nous parlons d'une sorte d'atelier, en conférence avec des partenaires, avec des représentants de maisons d'enfants et un peu société civile et même Timoun. Timoun n'est pas rentré dans la logique pour faire violence sur l'autre Timoun pareil. Chaque Timoun, il doit respecter l'autre, il doit aimer l'autre, il doit vivre ensemble avec l'autre. Et son Timoun, il y a un fond bagaille. Qui est grave. Les satimouns, ça lui-même. Bon, section en BPM qui est la section mineure conflit avec la loi. Parce que si on ne peut la loi, pas d'accord. Les satimouns, ou même timouns, ou pas obligé de prendre, ou pas capable, pendant 7 ans, ou pas capable de vivre avec ni maman ni papa. Ou pas capable de vivre avec ni fournisseur, ou obligé de prendre ou nien pour nous mettre de l'autre côté, pour nous faire l'autre travail avec nous. Protecteur citoyen et citoyenne Lanredan Edouville, visiter centre éducation Minet qui est en conflit avec la loi Sirmicol jeudi 6 juin. Visite sa fête en avant commémoration Journée nationale Timounio dimanche 9 juin Cap Vinila. Centre ça qui a un effectif 48 Minet, te recevoir dans occasion visite ça plisé matériel et produits sanitaires. Protecteur citoyen Renan Edouville rappelé à Nessa, l'État haïtien pour la célébrer 30e anniversaire convention relative à droit timoun. Protecteur citoyen plaide en faveur yon l'autre forme prise en charge timoun qui en conflit avec la loi yo, ça qui d'après li ka aider dans lutte contre délinquance juvénile là. Yon extrait dans micro Falan Delphin ak l'Aurore d'Orly Jean-Jacques. Mission que m capable partager avec nous les amis de la presse par l'écrit et télévisé, c'est que ça gagne quelques mois et bien chifflant et ontijan à la hausse. Mais avec effort en pile organisation de droits humains fait, et notamment IMED, avec volonté qui gagne au niveau du parquet de Port-au-Prince, eh bien, données que nous fournissons, pour le moment, nous gagnons pratiquement 48 timoun
48 mineurs en conflit avec la loi qui l'a. Et dans 48 yo, il y a 44 qui en dépôt, c'est-à-dire qui poko yo poko prononcer sur décision sur ça au fait, mais il y a 4 déjà qui déjà condamné. Donc ça fait au total 48. Deuxième constat que nous capable faire, que nous capable révéler avec nous, c'est que au niveau de Sermicol, eh bien il y a un encadrement professionnel yo bay timoun yo. Yo recevoir cours informatique, yo recevoir cours classique, yo recevoir l'autre cours tout. Mais cependant, au-delà de tout ça, nous-mêmes en tant que représentants d'une institution nationale de protection et de promotion des droits humains, nous voulons encore une fois rappeler aux autorités étatiques que la place de l'enfant n'est pas à la prison. Timoun, quel que soit ça Timoun n'en fait, quelle que soit infraction capable de reprocher, eh bien Timoun n'a pas de retrouver en prison. Lorsque Timoun n'a retrouvé en prison, eh bien c'est en violation de la convention relative aux droits de l'enfant. Donc Timoun gen place yo la kayo, la kay parent yo dans foyer yo. Timoun yo de gen place yo tout en dans l'école. Ça c'est deuxième côté yo de jeune Timoun et Timoun yo de jeune yo tout sur les terrains de jeu. Donc nous-mêmes n'a continué ce plaidoyer pour que pas gagner prison pour Timoun. OK? Pas gagner prison pour Timoun. C'est soit ça et c'est ça convention relative aux droits de l'enfant dit que nous pral commémorer. Nous souhaiter que capable gagner une prise en charge de société à pas Timoun ça le plus souvent qui est en conflit avec la loi mais qui très souvent c'est des monde qui victimes de indifférence société. Le dossier magistrat commune tabac ni Simon ak citoyen Yves Léonard répond l'autre fois jeudi 6 juin invitation coup d'appel Port-au-Prince. Notre cadre dossier ça coup d'appel continue à attendre et puis mandé dépatio déposer pièce dans greffe tribunal là. Magistrat ni Simon accompagné ak avocat même Jean ak Yves Léonard dit au souhaiter la justice prend bon genre décision dans cadre dossier ça. Yon extrait dans micro Midre Emilias ak Michel Joseph. Moi crois dans justice paysan et côté me passé moi crois que ça cap défendre là c'est pas pour moi seulement la défendre au niveau international tout le monde a suivi et la justice haïtienne a une chance pour capable prouver tête que vraiment la fait en justice pour tout le monde en justice qui est équitable pour tout le monde. C'est que la cour moi ouais yo fait bien équilibre. Donc moi pense c'est deux monde cap faire un travail sans passion. Et je crois en justice pays. Donc je pense que je suis la cour prendre décision. Ça a vraiment fait mal pour le fait que moi suis là avec devant la justice. Même si je souhaite que lui-même prenne conscience. Et moi-même aussi, il faut me prendre conscience tout pour nous prendre nous bien des timounes qui là et l'autre timoun qui là pour nous capables à plus nous droit. Whatever ça qui t'arrive pour nous faire éducation timonieuse, c'est ça qui nous a souhaité pour prendre conscience et pour nous-mêmes prendre conscience.